Bonjour, cher élève musicien. Nouvelle vidéo de vlog pour t'annoncer une nouvelle. J'ai eu cette idée-là ce matin. Je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas ça? Eh oui, pourquoi je ne le ferais pas, hein, à ton avis? Alors, faire quoi? Eh bien, en fait, tu as dû le voir dans les coulisses de la création, une playlist que j'ai commencée il y a quelques semaines. En fait, je pars de certains morceaux. Je les analyse et j'en déduis des compositions pour harmonica que je joue ensuite au travers de clips dans mes balades nature. Et en fait, je me suis dit, ben, comme je m'aperçois que chaque fois que j'étudie une partition d'un morceau qui a été enregistré par les Beatles, j'apprends beaucoup de choses, je me suis dit, mais pourquoi finalement ne pas étudier toutes les chansons enregistrées par les Beatles? Et comme ça va me donner énormément de morceaux. Alors, je ne vais pas tout faire dans la semaine, dans le mois, dans l'année, j'en sais rien. Mais ça peut être vraiment sympa de réécouter, surtout d'analyser les partitions. Et donc, je me suis dit, bah, allons-y, prenons les choses dans l'ordre. On va commencer par le tout premier album des Beatles. On commence ça dans quelques secondes. Ch'toum! Le tout premier album des Beatles s'appelle Please Please Me. Voilà. Alors, ils n'étaient pas vieux à l'époque, hein, c'est sûr. Bon, voilà. Donc, Please Please Me. Oui. Alors, la toute première chanson de Please Please Me, c'est I Saw Her Standing There. Donc, c'est une chanson. Alors, c'est titré McCartney Lennon. Et c'est surtout une chanson de Paul McCartney. Voilà. I Saw Her Standing There, qu'il avait composé en 1961 déjà, je crois, si je ne m'abuse. Bon, il y a un petit livret qui explique tout ça. Bon, c'est pas tellement l'historique de la chanson qui nous intéresse, c'est plutôt la composition. Et tu vas voir qu'il y a déjà des trouvailles ici, quoi. Voilà. Sympa. Donc. Bon, voilà, il n'y a pas énormément de notes là-dessus finalement. Il y a des photos sympas sur ce livret. Donc, voilà, bon, bref, une chanson composée en 1961, sortie en 1963 dans l'album Please Please Me. Donc, je te propose qu'on étudie ça au piano et ça va peut-être, sans doute d'ailleurs, me donner des idées de composition pour faire un morceau d'harmonica qui ne sera pas forcément dans le style de I Saw Her Standing There. Sûrement pas d'ailleurs, enfin voilà, c'est l'idée, c'est simplement de trouver, d'avoir une trouvaille, de dire, ouah, c'est intéressant, ça, ce passage est intéressant, et de voir comment je peux m'en servir pour composer un nouveau morceau. Ok? Allez, on fait ça dans un instant. Ok, donc voici I Saw Her Standing There. Donc bon, on va étudier ça, donc ça fait. Tiens, je le voyais pas comme ça, moi. Hop là. Maintenant que je suis dans la page. Ok, voilà, donc ça c'est le thème. Bon, je ne le joue pas dans le tempo hein, original, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre la mélodie, les accords. Alors, si ré mi, well, she was just 17. Bon, ok. Donc, évidemment, c'est calqué sur le blues, donc on a les accords. Donc, c'est un morceau en mi 7, la 7, mi 7, ça on trouve ça beaucoup dans le blues, et si 7. Ça, c'est tout à fait normal, c'est un blues traditionnel, donc on a en fait mi, la, mi, si, si. Bon, ok, bon, c'est pas tout à fait la structure du blues, mais ça se remarque pas mal. Et après, donc il y a un truc qui est assez original. Voilà,
C'est le passage en do. Alors, comment expliquer ça, ce passage en do ici? Puisqu'en fait, on a la gamme, enfin, plutôt mi, comme c'est du blues, c'est plutôt la gamme de mi mixolydien, mais le do majeur, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Très intéressant ça. Alors, le do majeur. C'est vrai que c'est très. Quand on entend ça, moi, c'est ce qui m'avait choqué en fait en écoutant ce morceau. Tiens, c'est un passage bizarre. Waouh, ça donne une espèce de clarté, c'est vraiment chouette. Donc comment on peut analyser ça par rapport... Bon, c'est la bémol 6, c'est l'accord bémol 6 par rapport à mi. Alors en fait, en analysant la mélodie, on a ré, si... Donc, ah ouais, c'est ça. Effectivement. Donc, en fait, mélodiquement, il joue ces notes-là. Ré, si. Alors là, il y a un do dièse quand même. Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi. Avec l'autre voix, donc il y a une voix qui fait ça. L'autre voix qui fait... En fait, il mélange la gamme de mi mixolydien et la gamme de mi mineur. Mi mineur naturel qu'on appelle aussi mi éolien. Et donc, dans mi éolien, on a le do bécard et donc l'accord de do majeur. Donc, le bémol 6, en fait, c'est une incursion de la gamme de mi mineur dans le mi mixolydien. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, et donc bon, déjà essayer de faire une mélodie avec ça. Donc, alors, est-ce que je fais la même chose, c'est-à-dire si ré mi 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 ré fa mi si ré mi 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 ré mi. Ouais, on peut peut-être partir sur l'idée de mi 7 la 7. Donc l'idée c'est pas de faire forcément un rock ou un blues ou pourquoi pas, remarque. On peut faire un blues traditionnel et rajouter le bémol 6, hein. Mais ça va ressembler à ce qu'ils font. Comment faire? Si ré mi mi ré fa mi 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 ré mi mi ré mi 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 fa mi mi ré ré si. Voilà, c'est assez plat au début. Hein. While she was just 17, you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. So I could I dance with another. Oh, when I saw standing there. Donc, alors, si, ré, mi, mi, ré. C'est tout, faut que je trouve autre chose. Hein. En tournant à peu près autour des mêmes notes, mais je trouve une autre mélodie, un autre motif.
Si ré mi mi ré si, si ré mi mi fa mi ré si, si ré mi mi ré si, si ré mi fa fa mi ré si, un truc comme ça par exemple. Si, si ré mi ré si, si mi fa. Si, si, ré, mi, si, ré, mi, ré, si, si, ré, si, fa, fa, si, ré, mi, ré, si, si, mi, fa, mi, ré, si. On peut essayer un truc comme ça, par exemple. Si, ré, mi, ré, si, si, ré, mi. Alors, je suis en train d'écrire la mélodie et le rythme en même temps. Si, donc c'est ternaire, hein. Si, ré, mi, ré, si, si, ré, mi, si, ré, mi, si, ré, mi, ré, si, si, ré, mi, ré, si, si, ré, mi, ré, si, si, ré, si, ré, si, fa, fa, mi, ré, si, ré, si, fa. Si, ré, si, fa, ré, si, fa dièse, fa, mi, fa, mi, ré, si, ok, par exemple. Si, ré, mi, ré, si, si, ré, si, papa, di, de, papa, bébé, tu, papa, da, ba, papa, pa, oui, pa, fa dièse, mi, ré, si, fa dièse, mi, ré, si. Il faut trouver la mesure. Ré, si. Donc ça fait si, ré, mi, ré, si, si, ré, si, si, ré, ré, si, si, ré, mi, ré, si, si, ré, si, fait, mi, ré, si. Si, ré, mi, si, ré. Si, ré, mi, ré, si, ré, mi, ré, si, ré, si, pa, pa, ti, de, pa. Le si ici, ce serait pas mal de le faire en pa, ti, de, pa, ré, si. Donc, on peut faire deux croches liées et noires, par exemple. Ça pourrait être la mesure, ça. Donc ça ferait 1, 2, 3, si, ré, si, si, ré, mi, ré, si, si, ré, si, pa, pi, pa, pa, si, ta, ti. Peut-être le faire comme ça. Si, c'est de trouver la mesure. Pa, ti, ta, ti. 1, 2, 3. Si, ré, mi, ré, si. Si, ré, mi, de, ti. Non, c'est pas tout à fait ça. Je sais pas si tu vois ce que je fais, mais bon, je suis en train d'essayer de trouver la mesure. Si, ré, mi, ré, si, ré, si. Ré, si, pa, ti, ta, pa. Si, ré, mi, ré, si, ré, mi. Ré, si, si. Ré, si. Ça donne quoi ça? C'est curieux. Si, ré, mi, ré, si. Donc là, ça fait deux temps et demi. Si, ré, mi. Un et deux. Et 3 et 4 et si, ré, mi, ré, si, si. Ah si, c'est ça. Alors, c'est une syncope là.
Donc, ouais, bah, ça fait ça. Hein. Donc, c'est du 4 temps. Donc, ils avaient fait deux fois mi 7, bah, ça c'est pas mal. Donc on a respecté la structure du début de I saw a standing there. Hein, au début ils font voilà, nous on fait si ré mi mi ré si ré si pa té pa pa si ré. Si, fa, c'est beaucoup plus long, mais pas grave. Si, ré, mi, mi, ré, si. Je serais tenté quand même de mettre si ré en anacrouse. Si, ré, mi, mi, ré, si ré, si, fa, mi, ré, si. Ouais, plutôt le faire comme ça. Si, ré, mi, mi, ré, si, ré, si, fa, mi, ré, si. Voilà, mi 7 ici. Si, ré, mi, mi, ré, si, ré, si, pa, ti, ta, ti. Si, fa, mi, ré, si, ré. Comme ça, on reprend mi, 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 mais cette fois-ci, c'est sur la 7. Mais du coup c'est plus récit hein, ça. Ou on fait la 7 sus éventuellement. Oui, pourquoi la 7 sus, donc ça change un peu de du blues traditionnel. Mi, mi, ré, si, ré, si. Et je reprends mi 7, fa dièse, mi, ré, si. Bon, je vais sans doute transposer hein, parce que pour éviter les overblows, etc. Bon, je sais les jouer, mais. Ce sera plus sympa de le faire avec d'autres notes, je pense. Si. Si, ré. Donc là, pour le moment, on a ça. Là, ce sera pas mal de conclure, peut-être. Est-ce qu'on fait du 12 mesures? Ils ont fait combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 8, hein, comme en rock. Traditionnel. Donc, si, ré, mi, mi, ré, si, ré, si, pa, ti, pa, da, pa, 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 da, dum, pa, ta, dum, pa, 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 pi, 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 pa, ti, te, pi. Donc, ils font quoi, eux? Donc au début, si ré mi do ti do. Ouais, les deux dernières mesures, c'est juste pour enchaîner sur la suite. Donc il me faudrait encore deux mesures de thème, quoi. Si ré mi Je sais pas.
Si, ré, mi, si, ré, mi, ré, si, si, ré, si, pa, pam, pam, dam, pa, da, dam, pa, da, dam, ti, pa, 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 pam, 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 pam. Si, ça me plaît bien ça. Si, ré, sol, c'est la, si, si, ré, dam, pa, da, dam, si, ré, sol, yen. Si, si, ré, sol, sol, fa, mi. Pourquoi pas un truc comme ça? Donc, pam pa da pa da dam pa dam pa pa da da dam pa ba ba pa di dam pa di tu pa ti te ti te pa pa da di ta pa pa da di ti do ti te pa pa da di ti te pa pa da di si pas mal. Si, si, ré, pam, pa, da, si. Si, ré. Sol, dièse, sol, dièse. La, si. Ok, donc ça fait pam, 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 pa, da, dam, pa, pam, pa, pa, te. Pa 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 pam pa da pa 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 pam pa 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 de ti de pa pa da de. Ça, on peut le mettre sur mi 7 encore. Hein. Pardon. Si, la, si, si. Oh, je sais pas. Pa pam pa 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 de da. La si fa fa mi fa. La si fa mi fa. Je dis fa à la place de fa, comme ça me permet de penser que c'est fa dièse. Donc la si fa mi fa. Ah, c'est 6-7. Ok, donc on a tout le thème A. Ok, après ils font ré, si, donc là, c'est un peu plus mélodique, ré, si, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, si, mi. Ok, alors, donc là ils utilisent le bémol 6, est-ce que nous on ne pourrait pas pousser le bouchon encore plus loin, dans mi mineur? Donc, qu'est-ce qu'on a comme accord dans mi mineur? On a mi mineur 7, fa dièse demi diminué, c'est un peu dur à utiliser dans le blues.
Sol majeur 7. Ah, Sol majeur 7, c'est pas mal. Sol majeur 7, je vais voir si je peux l'utiliser ou pas. La mineur 7. La mineur 7. Si ré mineur, enfin si mineur 7. Donc do majeur ou do majeur 7. Ré 7. Bon. Voilà, mi mineur 7. Oh, ça me plaît bien le sol majeur 7. Ça changerait pas mal. Alors comment je l'intègre dedans? Bah, on peut faire sol majeur 7. Do majeur 7 par exemple. On peut essayer de faire un enchaînement comme ça peut être marrant. Donc faire par exemple la 7. Sol majeur 7. Do majeur 7. Mi 7. Ouais, on peut essayer ça, tiens. Se faire un enchaînement comme ça. Donc, il faudrait que dans la partie B, on ait... Non, ça, c'est la partie A. Partie B, il faudrait qu'on ait donc... Il faudrait qu'on ait mi 7. Encore mi 7, peut-être pas forcément d'ailleurs. La 7, sol majeur 7. Ensuite, do majeur 7, mi 7, si 7, mi 7, mi 7 par exemple. Ça pourrait être pas mal. Donc, je refais le début. Ouais, pas mal ça. Si ré mi fa mi ré mi fa mi ré mi si ré mi fa mi ré mi fa mi ré mi si ré mi fa mi ré si fa mi ré si fa mi ré si la si ré mi ré si. Alors si ré mi fa di da pan pi da la pan, donc la triole au début, si ré mi si ti da ti ta ta ti ta ti ti ta ti pa pa di de ti fe mi ré si pa pa di de ti pa pa mi ré si la si. Donc ça ferait ti ta ti pa pa pe pa 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 di da di pa pa pi pa ti da ré si la si. Alors, si la ré do si ré fa mi ré si la ré si la si. Si la ré ré si la si do majeur 7 ré ré, là j'attaque avec la neuvième. Ré ré si la si ré ré si la si. Donc ça donne quoi ça?
4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La si. La si mi. Très bien terminé par un jeu conclusif quand même. C'était des papa des dedans, papa des dedans. Papa pi pepe da ti da pepe ti da ti un truc comme ça, je sais pas. Papa ti da ti. Papa di da di, papa di da di, papa di da di, si si la si ré, si ré, si la si la do si. La si mi la si la sol la si mi par exemple la si mi deux croches noir point croche blanche. La si si la si si mi ouais bon je sais pas trop la si mi la si la si ré mi. La si ré mi mi. Pourquoi pas, je sais pas. Si ré mi, papa di da da. Ça va. Papa di da, c'est super. Papa pi da di da. Papa di da di. Ré si la si. La si mi, ré si la si, ré si, ré si la si, ré si la si, la si. La si la mi. Ouais, c'est pas mal ça. La si la si la mi. Ok, donc du début. Thank you.
Juste la fin du premier thème qui me plaît pas trop. C'est Ré, mi, mi, pa, ti, pa, dis ça c'est bien. Pa, si c'est pas mal. Ok, après on passe à la partie C. Ok, bon, ça c'est répétitif. Je dis pas que c'est bien, c'est pas bien, c'est juste que c'est répétitif. When my heart went boom, ran across that room, and I had her hand in mine. Ok, donc When my heart went boom, when I cry, donc ça c'est sur la 7, hein. Six, sept. Mi 7 pour conclure. Donc on peut faire pareil, hein, faire chou sur la 7 maintenant. Donc ils font deux fois tout ça, deux fois le AB. Donc tout ça c'est deux fois. Et après. Donc première fois, alors attends. Première fois, il y a une mesure de blanc. Tac. Et la fois suivante. Enfin, c'est pas une mesure de blanc, c'est qu'ils reprennent l'anacrouse tout simplement. Voilà. Seconde fois. On commence une nouvelle anacrouse. Donc ça fait ça.
pourquoi pas. La, do, mi, sol, sol, fa. La, do, ré, mi, mi, fa, sol. Pa, dé, de. Ta, dé, de. Pa, dé, de. Ça, ça pourrait être le. La na cruz. La, do, dièse, ré. La, do, dièse, ré. La, do, ré, sol, sol, fa, sol. La, do, ré. La, do, ré, mi, mi, fa, sol. La, do, ré, mi, mi, fa, sol. La, do, ré, pa, pa, ta, 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 ta. Pourquoi pas, un truc comme ça. Pa, do, ta, pi, pi, pa, ta. Pa, ti, do, pi, pi, pa, ta. Ta, ta. C'est tout simple, mais. Mi, mi, pa, pa. Ok, donc ça fait. Mi, mi, fa dièse. Sol. La, do, ré, mi, mi, pa, pa. Sol. La, do, dièse, ré. La, do, ré, mi, pi, pa, ta. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesures de la 7. Si, la, sol, fa, sol. Sol, fa, sol. C'est pas un triolet, c'est trois croches en fait. Si, la, sol, pa, pa, de, da. Ok. Alors, pa, do, da, un, deux, deux. Deuxième mesure, pa, pa, pa. Troisième mesure. Quatrième mesure, non, nous en faut six. Donc, la, deux, deux. Pa do da ba pa da da pa do da ba pa 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 pi pa 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 pa. Ah, je sais pas où je vais. Ah, comment ils font eux? La do sol fa mi, la do sol fa mi, la do sol fa mi. Ils font trois fois mais sur deux mesures. Ta to te pe pe pa pa. Fa fa mi la si si ré mi fa mi ré. Fa, fa, ré. La. Alors déjà, la, do, ré, mi, pi, pa, pa. Deux. Pa, do, te, pe, pe, pa, pa.
Ça ferait quoi ça? Ça ferait 1, 2, 1, une mesure. Pas 1 et 2 et 3, 4, 1, 2, 3. Donc ça fait déjà deux mesures. Pas de retrait. Troisième mesure. Papa. Quatrième mesure. Cinquième mesure. Ouais, ça peut faire six mesures comme ça. Paté, pam, paté. Alors, attends, je recopie au propre parce que je m'en sors plus là. La, do, ré. Donc, au début. La, do, dièse, ré, ça c'est l'anacrouse. La, do, dièse, ré, anacrouse. Ensuite, on a un accord. La 7 avec mi, mi, fa, dièse, sol. Mi, mi, fa, dièse, sol. Sol, touc, on fait encore deux temps, trois temps, la, do, dièse, ré, comme ça, ça laisse de l'espace. On fait la même chose. Donc là, on a déjà quatre mesures, la, do, ré, mi, mi, fa, dièse, sol. Sol, si, la, sol. Si, la, sol. La, sol, fa, dièse, sol. Comme ça, on a bien nos six mesures. Parfait. Donc, ça nous fait... Je sais pas. Là, ce serait bien de monter un peu, quoi. Comme piva. Ouais. Donc, la, la, sol, fa, sol. Ouais, je sais pas. La, si, mi. Tout simplement. Pourquoi pas? La, sol, fa, sol. La, sol, fa, dièse, sol. Sol, la, si. Sol, la, si, sol, la, si. On fait deux mesures de si. Sol, la. Sol, la. Si, la, si, la, si. Sol, sol, la,
Si la si, sol la si la si, la si la si. La si, la si si, si ré mi, si. La si si, la si si ré mi, la si, non, la si, la si, si ré mi, si ré mi. Oh, we dance through the night. Après, ça revient où, ça? Après, c'est DS. Et DS. Ouais, ça revient au début. Voilà. Si, ré, mi, mi, ré, si. Ok, donc si on refait tout ça, bon, on avance bien là quand même. Thank you.
pour la coda. Si ré mi le, si ré mi, si ré mi. Il termine comment eux? Si do mi mi ré si fa mi, si do mi mi ré si fa la. Terminera bien comme ça, moi. Si ré mi deux trois, ré ré si deux trois, ré ré si, ré ré la si mi. Ah oui, ré ré si coda, ré ré si. Ré, ré, si, deux, trois. Ré, ré, do, do, la, si, mi. Ok, bon ben bah voilà, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en forme. Donc je pense que je vais changer la tonalité, je vais sans doute mettre ça en sol 7. Ça sera plus simple à jouer à l'harmonica, sauf que ça va sonner fa 7 parce que je vais sûrement le jouer qu'un harmonica en si bémol. Bon, bien sûr, je n'ai encore aucune idée du titre, hein, évidemment. Voilà, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à faire un arrangement peut-être pas trop rock'n'roll, enfin un peu bluesy quand même, parce que c'est quand même aussi du blues, mais enfin, je vais voir, je vais m'amuser avec ça. Et je te ferai la surprise donc en illustration d'un clip donc dans mes sorties. Je devrais faire une sortie bientôt sur les ponts de Paris. Donc peut-être que ça va être un titre à propos des ponts de Paris, on verra, ou une autre balade dans la forêt de Montmorency. Enfin, en tout cas, je te publie ça très bientôt. Donc ce sera pas le 23 juillet, parce que jeudi 23 juillet, il y a un autre clip qui arrive. Voilà, sur une grande randonnée de 25 km. Et donc ce sera peut-être le jeudi 30 juillet. C'est bien possible. Voilà, donc bah, tu vois, on peut vraiment s'amuser à partir d'une partition des Beatles, de trouver des idées, de dire tiens, cette idée... j'ai envie de l'extrapoler pour trouver une autre idée, amener autre chose, et puis au final, ça va peut-être donner quelque chose qui n'a rien à voir avec Iso and Stadin Ver, mais c'était une bonne occasion de trouver de l'inspiration. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le ch'tung, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de partager cette vidéo avec tes amis. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Bonne musique, à très vite.